Bonjour à tous, je suis Vic Leclerc, votre analyste pour Belgian Investor, et voici mon avis en vidéo concernant le CAC 40. Alors, la semaine dernière, le CAC 40 m'avait laissé sur un avis plutôt haussier. En effet, ces deux bougies qui se dégageaient bien de la zone des 4419 semblaient pouvoir porter le cours vers des points plus hauts. Malheureusement, cette semaine était une semaine baissière. On est venu toute la semaine se poser sur cette zone des 4419 pour l'enfoncer vendredi et revenir sous la moyenne mobile 20 périodes. Alors, je vous ai dessiné des fourchettes de Andrews haussière qui montre que malgré tout on est toujours dans cette impulsion haussière, donc toujours un possible retour vers le haut pour la semaine. Malgré tout, mais cette bougie et ce gros gap baissier ne curent rien de bon pour la suite. D'autant plus qu'au niveau des indicateurs, eh bien, vous voyez que le RSI s'enfonce sous la zone des 50, donc il y a une perte de puissance haussière vraiment importante, et le MACD croise à la baisse sous son signal, ce qui montre qu'on est devant une nouvelle possible impulsion baissière. Alors, dans les repères, qu'est-ce qu'il faut maintenant viser? Eh bien, si cette zone des 4365 est enfoncée, elle reviendra probablement au courant de la semaine prochaine sur les niveaux de la M50, c'est-à-dire ici par les 4339, et il faudra viser en point bas la zone 4300-4290, qui à mon avis sera une zone de support qui pourra être efficace. Toujours regarder en parallèle l'indice CAC 40, l'indice S&P 500, qui lui tire toujours le marché. Et la semaine dernière, la vidéo de la semaine dernière vous indiquait bien les possibilités baissières du S&P 500, qui a tiré le CAC 40 dans son sillage. Et donc on est maintenant revenu sous une moyenne mobile 20 périodes, mais qui est haussière. Donc c'est un peu la neutralisation. On voit les bandes de Bollinger qui vont se renfermant toutes les deux, signe de neutralisation aussi. Donc il ne serait pas étonnant qu'on revienne dans cette zone de 4300 pour rester dans ce range large des 4420, 4300, un peu neutraliser le cours actuellement. Donc pour la semaine prochaine, tendance plutôt baissière avec comme point bas possible les 4300 et point de support 4340. Merci à tous et à bientôt sur le site Belgian Investor, toujours gratuit pendant tout mois d'avril.